Nous continuons donc, après avoir parlé de salaire, d'énergie, de pouvoir d'achat, de retraite, d'impôts, nous attaquons donc les transports. Mes deux invités sont là, Jean-Philippe Tanguy et Pierre Cazeneuve. Je rappelle que nous faisons tourner les différents partis, nous sommes très contrôlés. Tout ceci est fait de manière chirurgicale, à la minute près pour qu'il n'y en ait pas un. Y a plus de temps de parole que l'autre. Alors, les transports, il y a énormément de choses à dire et on va commencer, si vous le voulez bien, par le carburant. Pierre Cazeneuve, je commence par vous, euh, président donc, du groupe Renaissance à la nationale. Que va-t-il se passer si vous arrivez, pardon Ancien vice-président. Ancien, ancien, ancien j'ai oublié le ex. Oh, écoutez, c'était pour vous rappeler le bon vieux temps. Exactement. <laughs> Qu'est-ce qui est prévu, justement mais concrètement, sur le carburant, euh, si vous accédez et euh, vous restez au pouvoir bon, Déjà, ça me permet de dire ce qu'on a fait, c'est-à-dire euh, protéger. Alors, ce pas tout à fait le sens de la question, parce que ce que vous avez mais fait... Mais vous, vous... Je, je tiens quand même à le dire. Parce ce que, que lui, dire va que... dire après ce que vous n'avez pas fait, et on, on ne saura pas ce que vous allez oui, mais faire. Mais avant de... Il faut quand même une base de départ pour commencer la discussion. Donc, euh, quand il y a eu cette grande crise de l'énergie liée à la guerre en Ukraine... L'action du gouvernement a été de protéger les Français avec un bouclier énergétique au sens très large, 30 milliards d'euros pour protéger sur la facture de gaz d'électricité, yes. et euh, toutes les actions qu'on a mises en place sur la ristourne prix de la pompe pour que de 20 centimes puis de 10 centimes pour que on reste en dessous okay. de 2 euros le litre. Et donc aujourd'hui c'est ça notre objectif. Mais il faut voir de manière plus large les transports. C'est un sujet du temps long et euh, il y a un truc malheureusement on n'a pas trop le choix, c'est que le pétrole, on va arriver au bout un jour. Et de, il va devenir de plus en plus cher, parce qu'on en aura de moins en moins, et que par ailleurs ça nous rend dépendants euh, de grandes démocraties, l'Arabie Saoudite, ce que vous voulez, qui aujourd'hui sont les pays dont on importe le pétrole. Okay et donc le, le but, notre stratégie, notre politique, c'est de sortir de cette dépendance au pétrole et au carburant en développant massivement les véhicules électriques, en développant massivement le ferroviaire, le fret. Monsieur Kazer, on va prendre, prendre toutes ces thématiques, je vous assure, Parfait. tout au long de l'émission. Mais je, je vous pose une question simple. Pour celui-là qui va à la pompe dans une heure et qui ira donc dans 15 jours quand les élections seront terminées, juste, est-ce qu'il y a des choses prévues sur le prix de l'essence Non, à ce stade, l'idée était de maintenir le, le chèque euh, grand rouleur contrairement à toutes les autres formations politiques, j'aurai l'occasion de dire, mais notamment du Rassemblement national, qui veut faire des ristournes pour tout le monde, que vous soyez Bernard Arnaud ou que vous vivez à Arnaud Bernard. Donc on fait toutes euh, les, euh, les ristournes pour tout le monde. Nous, on okay. est très clair, On veut accompagner... Ceux qui utilisent leur voiture au quotidien pour aller travailler. Parce on remet Ça la... sera la voiture électrique. On y reviendra ouais. tout à l'heure avec non, mais le. Pas sur la voiture électrique. Ouais. Sur le carburant. Bon. c'est ceux qui bossent et ceux qui consomment et ceux qui ont des revenus faibles. Bon, donc, donc pour l'instant sur le prix de l'essence ciblé. Vous, vous, allez pas développer pas pour des, pour des tas d'autres énergies, mais sur le prix de l'essence, pour l'instant, on n'y touche le pas. Chaque carburant Alors, cette année. Hein. Euh, S'il vous plaît, Monsieur Tron. Oui, je vais Modestement, <laughs> mon métier. Jean-Philippe vous, qu'est-ce que vous prévoyez sur le litre d'essence mais c'est très simple, on considère que les automobilistes doivent peut-être les vaches à lait du système fiscal français. Donc nous voulons considérer que le carburant est un produit de première nécessité. Vous ne pouvez pas vivre... En ruralité, dans le monde périurbain pour travailler pour beaucoup de, de, de Françaises et de Français, pour s'occuper des aînés, des enfants, sans votre voiture. Et donc, oh okay. euh, baisser la TVA de 20%, telle qu'elle est aujourd'hui, à 5,5%, à 5, 5%, pardon, c'est le taux de, des produits de première nécessité. Et nous considérons que le carburant euh, doit être ainsi, et contrairement à M. Macron, qui dès le début de son mandat a lourdement augmenté euh, les taxes sur le carburant, ce qui a d'ailleurs provoqué les Gilets jaunes. Alors certes, la, la, la hausse des taxes avait été euh, Stoppés par les gilets jaunes, mais les taxes qui avaient déjà été ajoutées en 2017 et 2018 avaient mmh. été maintenues. Et les Françaises et les Français n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Okay. Et ils ont l'impression que leur salaire part littéralement mmh. dans leur réservoir quand ils passent à la station-service. Je vous rappelle, le but de cette émission, c'est de savoir pour qui voter, pour savoir ce qu'il y a dans vos programmes. Donc c'est pour ça que je pose des questions précises. 20%, Et 5... 10 euros, 10 à 15 euros selon le prix, c'est proportionnel. Réalisable, pas réalisable. Qu'est-ce que ouais, vous en pensez, y J'ai un problème depuis le début avec cette proposition. On a déjà eu l'occasion d'en parler. La TVA, c'est une liste précise de, de produits. Ça passe par Bruxelles. Alors dans cette liste de TVA 5,5 possible, il y a la distribution de gaz, la distribution d'électricité, mais il n'y a pas l'essence. Donc la question est simple. Comment est-ce que comme vous le dites, à la fin du mois de juillet, vous baissez la TVA. Parce que pour l'instant, il faut, à mon sens, d'après ce que je connais des réglementations européennes, en passer par une approbation des, 27, enfin des 26 pays de l'Union Européenne pour pouvoir autoriser la France à baisser sa TVA 5,5 sur l'essence. Absolument. Bah, on va faire ce qu'on avait déjà dit en 2022. Plusieurs étapes. Première étape, nous allons l'appliquer de façon temporaire, comme l'a fait la Pologne en 2021-2022. En Ça, on a le droit. Non. Oui. Euh, là, ah, il il la a Pologne, il une... baissé. Non. C'est une dérogation. Avec... Non avait baissé de 23% euh, à 8%, donc ça fait 15 points, comme on veut faire pour la France. Pendant bon. ces euh, 8 mois, euh, nous négocierons avec Bruxelles le fait que cette dérogation oui. soit permanente. Mais je réponds au, 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 au procédé que nous avons prévu. Monsieur euh, de... Tanguy, juste. En, je le dis de... à tous les deux. Ne vous inquiétez pas, chacun aura. Je suis Et obligé de vous donner le même solution. temps de parole, ne vous inquiétez mais, pas. mais Juste. Non, mais écoutez-moi, Monsieur Tanguy, c'est important, parce que nous, on essaie d'être concret, mais le problème, c'est le cas depuis lundi, c'est. Et pour tous les partis qui sont venus, on négociera. On négociera, ce n'est pas un programme. Parce que s'ils ne veulent pas que vous négociez, s'ils vous disent non, votre négociation a, a échoué. Pardon Et donc nous avons un plan B, si la négociation devait, jusqu'au bout de 8 mois, 1 an, parce que la Pologne a tenu en fait jusqu'à 1 an en décembre 2022, euh, on baissera 2022, la 2022, c'est important. Hein. L'Ukraine, c'était une situation exceptionnelle. Bon. Laissez-le voilà. finir. Okay. Le taux du carburant, nous considérons qu'il est toujours trop élevé. Et le plan B, c'est dans ce cas, nous baisserons la TICPE, qui est donc la taxe française sur le carburant lié aux émissions de carbone à du proportion de ce que ça représentera en TVA. Bon. Un mot de Christophe Bourou, c'est le grand spécialiste automobile sur RTL et après vous reprenez la parole les uns les autres et on attaque une autre thématique. Alors moi je suis frappé par l'habitude qu'on a prise d'avoir des prix très élevés, c'est-à-dire qu'au moment des gilets jaunes, les tarifs étaient à 1,50€ le litre du diesel et les gilets jaunes sont descendus dans la rue. Aujourd'hui, le prix du diesel est à 1,71 €. Alors, wow. il a certes baissé ces dernières semaines, mais là, il remonte. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour endiguer cette montée Et surtout, dans votre programme, euh, moi, il y a quelque chose qui me frappe un sentiment d'inégalité, parce que que je roule en Dacia ou en Porsche, finalement, je bénéficiais de la même ristourne. Donc, euh, entre. Vous, ce que vous, euros vous, euros. Vous, voulez, vous voudriez qu'il y ait. Que, Alors, par exemple, moi qui gagne bien ma vie, je paie plus cher. Et pourquoi pas hein, Je paye plus cher l'essence que celui. Pourquoi pas C'est une question que je. C'est pas idiot. C est, c est une mais mais, mais c'est pas dans leur programme. Ni, à, ni aux uns ni aux non, autres. On parce veut que, de la simplicité Alors, on y va pour mais, mais, Pierre Cazeneuve. Parce que derrière la question qu'on a sur le carburant, c'est <coughs> qui paye Parce que si vous voulez, avant le 25 décembre, on avait le Père Noël. Maintenant, on a Jean-Philippe Tanguy. Et donc, on fait des chèques à tout le monde. Ouais, vous avez fait 20 milliards sur le bouclier énergétique. Non, mais il faut quand même. Monsieur Tanguy. C'est là dans un miroir. Monsieur, restez sur vos programmes respectifs. non, mais c'est ah, facile de pouvoir dire on va baisser les prix, la retraite, les ouais. salaires. À un moment donné, il faut le financer. De la... On parle de choses sérieuses, il ne faut pas mentir aux Français. Donc euh, nous, la raison pour laquelle on ne dit pas on va baisser le prix des carburants, l'une des raisons, c'est que ça coûte extraordinairement cher, quasiment 10 milliards d'euros, peut-être même un peu plus, et que ça, on n'a pas les moyens de le financer. Parce que ces 10 milliards-là permettent effectivement oui. d'être réinjectés dans les services publics et tout. Donc Cette perte d'argent, vous la compensez comment C'est ce que la question vous lui posez. Et donc c'est pour ça que nous, on a un dispositif ciblé ah, pour reprendre ben, votre c'est-à-dire qu'effectivement, pour les Français qui bossent, qui prennent leur voiture tous les jours, qui ont des salaires ouais. modestes, on les accompagne. On a fait ce chèque carburant, notamment pour répondre okay. au grand choc de la guerre en Russie. Si vous commettez, effectivement, euh, je ne sais pas si vous roulez en Porsche, mais en tout cas pour ceux qui ont des Porsches euh, ou en Ferrari, ou, ou les gens qui gagnent très bien leur vie et qui payent aussi leur carburant à 5,5, c'est complètement inefficace. Voilà. Bon, alors. On gratis pour tout le monde. et donc on fait Juste la, de la compensation de, sur... de cette baisse de TVA par rapport à tout ce que ça peut rapporter à l'État c'est une meilleure répartition de l'effort fiscal. En 2017, M. Macron a augmenté les taxes sur le carburant pour baisser les taxes des plus privilégiés, suppression de l'ISF et instauration de la flat tax. Il a fait un choix fiscal, nous ferons d'autres choix fiscaux en luttant contre les niches fiscales et les surprofits. Par exemple, la Cour des comptes, en mars 2024, a prouvé qu'il y avait 30 milliards d'euros d'argent public que les énergéticiens s'étaient mis dans la poche avec le bouclier tarifaire à 70-80 milliards d'euros de Monsieur le maire. Bah, parlons maintenant de la voiture électrique. Le le carburant, oui. carburant. Moi, Je voudrais savoir, euh, est-ce que les conditions d'éligibilité à cette aide-là vont changer Et rappelez-nous, quelles sont-elles Dans quel cadre peut-on être aidé, puisque vous voulez des aides ciblées, pour payer le carburant moins cher Il y avait deux conditions. C'était une condition de revenu, la première. Et la deuxième, c'était une condition de, effectivement, utiliser sa voiture pour aller travailler. Et Donc, quelles en fait, sont-elles le, les conditions de revenus, oui. je ne sais pas exactement. Et de, sur et le, et le, de euh, kilomètres, C'est-à-dire Pour savoir ceux qui nous écoutent, est-ce qu'ils peuvent espérer l'avoir encore ou pas À ce stade, on ne l'a pas redéfini. Donc je ne sais pas vous dire si on va ou non changer les critères. Ce que je vous dis, c'est que l'idée simple, c'est d'aider ceux qui ont des revenus modestes et ceux qui prennent leur voiture pour aller bosser et qui n'ont pas d'autre choix que prendre leur voiture pour aller bosser, ce qui est le cas de nombreux Français. C'est juste très clair par rapport à ceux qui veulent, parce que là on a parlé des 10 milliards, mais on va... Comment on fait pour financer les autres Parce que c'est toujours sur les mêmes recettes que vous financez toutes vos promesses. Mais donc là, j'ai bien compris que là, donc, les niches fiscales, les superprofits, etc., ça, c'était uniquement pour la baisse du carburant. Donc j'espère qu'on aura l'occasion de ne pas parler que de transport, mais vous nous direz comment vous financez le reste du programme. On ne parlait jamais de vous, là. C'est un, un peu la thématique, je ne vous le cache pas, le transport, là. Donc malheureusement, oui, mais parce que si vous voulez, comme chaque jour, on a une thématique différente, on en revient à aborder tous les, tous les problèmes. Mais ils financent toujours la même thématique ouais, mais, mais, la fiscale. mais d'accord. Si vous trouvez le carburant, là euh... Au début de l'année. Parce que déjà les prix ont baissé. qu'on a l'impression qu'il existe toujours, mais il a été supprimé quand même. Non mais les prix ont baissé de l'essence. Ah bon bah. Non mais par rapport à la guerre en Ukraine, par rapport à 2022 où les prix ont même dépassé les 2 euros, on est revenu à 1,11 sur il le. En, en même temps, temps c'est dommage. Euh, donc du coup l'idée, c'est d'accord. Bon. Mais il faut être clair, M. Tanguy, il ne faut pas mentir aux Français. Au oui, prix bah. de l'essence. Dans les années qui viennent, dans les 10 années, dans les 20 années qui viennent, il va continuer à augmenter. Et donc vous pouvez dire, vous... Non, les en colloirs, même temps, M. Tanguy, je vous assure, les... messieurs, je, je vous le dis, je, je supplierai à me mettre à genoux sur ce plateau. Quand vous parlez en même temps, ça ne sert... vous pourriez dire n'importe quoi, ça ne sert à rien. Écoutez-vous et dites... Bon, passons maintenant, on a bien compris euh, chacun ce que vous aviez à nous dire là-dessus, sur la voiture électrique. Alors, c'est vous qui allez faire l'introduction, parce que Christian Bourreau, ça fait partie notamment, euh, j'ai cru comprendre encore que hier soir, Gabriel Attel a reparlé de ce leasing. Où en est-on avec la voiture électrique Est-ce que c'est une réussite est-ce que c'est un demi échec où en est-on aujourd'hui On entend tout et n'importe. Demi quoi. échec, demi réussite. 17 des voitures vendues en France neuves sont électriques. Mais ce qu'on s'aperçoit, c'est que depuis quelques mois, notamment en Europe, il y a euh, un coup de frein. Pourquoi Parce que c'est moins 3 par exemple sur le premier trimestre et moins 14 en Allemagne. Pourquoi Parce qu'il y avait des aides en Allemagne, comme on a en France des aides qui ont été arrêtées. Alors toute la question est de savoir si ces aides vont perdurer parce que le prix d'une voiture électrique aujourd'hui, c'est quand même 42 000 euros. 42 000 euros pour une voiture électrique. Même pense... pour une petite, même pour la... Oui, Zowie, oui, là. oui, 42 000 euros, c'est le prix. En gros, c'est, Julien, 8 000 à 10 000 euros de plus qu'une voiture thermique. Donc il faut franchement avoir les moyens. Alors les constructeurs ont aussi poussé les prix euh, d'une façon excessive parce qu'ils font plus de marge, mais ça reste excessivement cher. Donc aujourd'hui, on n'a pas le choix puisque l'Union européenne, c'est ça le vrai débat aujourd'hui, pousse à ce qu'en 2035, ça a été voté... Euh, on arrête la vente de voitures thermiques classiques, c'est-à-dire essence et diesel donc qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui dans cette situation-là Alors justement, nous allons au Marquis de culpo nous allons revenir et interviewer nos deux amis Jean-Philippe Tanguy et Pierre Cazeneuve sur la voiture électrique puis on parlera ensuite après aussi des péages hein. les départs en vacances sont immédiats on le sent passer quand on y va vous restez avec nous, cette spéciale législative RTL M6 continue Stan nous dira si nous avons des appels au standard Vous suivez ça peut vous arriver alors, Christophe, là, euh, on parle entre nous quelques instants avant de donner la parole à Monsieur Tanguy et M. Est-ce qu'elle est vraiment, ceci étant dit, vertueuse Parce que on pourrait dire on injecte, on aide, etc. Mais est-ce que c'est un vrai bonus pour la planète Est-ce que c'est un vrai, une vraie source d'économie pour celui qui se dit bah, « Tiens, bah, ça vaut peut-être le coup que j'y aille parce que c'est l'avenir ». On va ouvrir le micro, s'il vous plaît, de, de Monsieur Bourou. Je vais parler. Elle n'est pas vertueuse en termes de production, c'est-à-dire qu'elle est... -à -dire qu elle est euh... Euh, allez, deux, trois fois plus polluante, parce qu'il faut plus d'énergie pour fabriquer les batteries, il faut plus d'eau, etc. Il faut de l'acier, bref, c'est plus polluant à la production. En revanche, lorsque vous roulez, allez, on estime qu'au bout de 40 000 km, la voiture devient entre guillemets moins polluante qu'une voiture thermique. Donc voilà. Au bout du compte, ça revient au même quoi. Donc voilà. Alors, l'idée l'idée c'est à partir de produire km. à partir de 000 km. Alors monsieur, il... km. comme je vous l'ai expliqué sur cette phase, phase c'est pas grave, allez-y. L'idée de produire en France, d'ailleurs les... ce que proposent les parties euh c'est de produire en France, là on va faire baisser les coûts de production et avoir des, on va dire, des usines beaucoup plus vertueuses parce que pour l'instant, les voitures sont fabriquées, en tout cas les batteries sont fabriquées en Chine. Donc si on arrive à avoir une production française, là on va vraiment faire baisser notamment euh, les coûts de CO2 pour ces voitures électriques. Ça deviendra beaucoup plus vertueux. Mais alors vous nous confirmez donc que les, les ventes se mettent à baisser, ça veut dire qu'il n'y a pas un engouement. Euh, parce que d'un côté il y a le discours politique qui dit faut foncer là dessus mais c'est pas reçu comme ça pour le consommateur ce qui fonctionne Julien aujourd'hui sont les voitures hybrides c'était un, un peu le meilleur des deux mondes vous avez une voiture thermique euh, et puis une, un mélange avec un électrique là les ventes s'envolent hein, c'est plus 30% les constructeurs n'arrivent pas à fournir. Donc voilà, c'est un vrai signe. C'est-à-dire que là, il y a quand même un moment où les gens ont commencé à acheter des voitures oui. électriques. Mais maintenant, ça coûte tellement cher que. C'est intéressant pour ceux qui vont voter, parce que là, on va poser les questions à, à, à nos deux invités. Voilà, Quelle est la stratégie Est-ce qu'on fonce sur l'électrique On dit oui, coûte que coûte, coûte, on y va. Est-ce qu'on reste sur l'hybride Il va bien falloir prendre une décision, parce que là, c'est un, un petit peu le flou, on est d'accord Oui, et c'est l'Union européenne qui doit décider. Et bon. pour l'instant, il pourrait y avoir des failles, parce qu'effectivement, comme les marchés sont. Pas très bon pour l'électrique. C'est l'Union Européenne qui doit décider. Très bien. Ça va, ça va simplifier un petit peu les choses. J'avais peur que ça soit compliqué, mais là, ça me rassure. On continue ce débat spécial législatif. Nous parlons, je vous le rappelle, euh, de transport. Ça peut vous arriver, spécial législatif. Présenté par Julien Courbet. 95% donc des voitures sont essence ou diesel. Faut-il investir dans l'électrique Quel est le point de vue du Rassemblement National sur la voiture électrique, monsieur Tanguy Mais nous, on est pour la neutralité technologique, c'est-à-dire de ne pas s'enfermer dans une seule technologie, et notamment l'hybride. Vous pouvez retrouver mes déclarations au Parlement depuis deux ans. Deux ans que le gouvernement en disant arrêtez de vouloir tout concentrer sur des voitures électriques qui, de toute évidence, technologiquement ne sont pas encore prêts pour les zones périurbaines et rurales, laissez ouvert la porte de l'hybride, développer aussi les biocarburants pour remplacer, si on peut, le maximum de pétrole par le plus de, de biomasse. Et ils, ont, ils se sont enfermés dans cette certitude, finançant à grands coûts des, des véhicules avec beaucoup de marge, mais aussi visiblement qui n'étaient pas prêts technologiquement. Et donc ce n'est pas sain. Bon, quand on est passé du chariot à la voiture thermique, on n'avait pas interdit la calèche. Voilà. Bon, donc il n'y a pas besoin de mettre un, un pistolet sur la tempe des gens ou une voiture thermique pour faire avancer le progrès technologique. Tout ça peut s'organiser, tout ça peut se prévoir, notamment le développement des bornes, parce que c'est vrai qu'il y a un réseau de stations-service qui a un avantage euh, évident par rapport au réseau de bornes. Donc tout ça, on peut l'organiser. Encore faut-il un modèle de borne unique et que ça ne part pas dans tous les sens. Euh, mais pourquoi toujours Comment dire, prendre les sujets par la punition, euh, par la contrainte, en culpabilisant euh, la petite mamie qui va chercher son, sa baguette avec son diesel, comme si c'était elle. vos si affaires, elle vous fatale. ne subventionnez plus les voitures électriques on ne surense pas aussi massivement des voitures électriques qui, de toute évidence, ne sont pas prêtes technologiquement. Il faut mieux mettre l'argent dans la recherche-développement, dans l'installation des processus de, de, de production en Europe, plutôt que de subventionner des modèles okay, qui ne sont pas prêts. Mais c'est très clair. Ben voilà. mais non, non, mais bon, bon, c'est un point de vue, on le partage ou pas, mais au oui, moins il est clair. Euh, Pierre Cazeneuve, vous, par contre, il y a ce leasing là dont on a encore parlé hier soir. Quelle est la position donc, de votre parti concernant la voiture électrique Elle est extrêmement claire. Évidemment qu'on veut la développer. C'est évidemment l'avenir, parce que derrière ces questions de mobilité, il y a aussi la question du dérèglement climatique, on a l'impression que ça n'existe pas chez vous, le Rassemblement national, et vous dites mais la technologie n'est pas prête, il y a quand même aujourd'hui, c'est à peu près 18% des véhicules qui sont achetés qui sont des véhicules électriques, ça roule très bien et les gens sont extrêmement contents. Ça coûte encore trop cher, on est bien d'accord, un, c'est pour ça qu'on les accompagne massivement. 6 000 euros de bonus écologique jusqu'à 8 000 euros de, de, de primes de conversion. Donc ça, c'est des dispositifs qu'il faut qu'on continue à mettre en place. Euh, et puis ensuite, vous avez aussi une évolution progressive. Monsieur Tanguy nous ferait croire que la, la petite mamie dont vous parliez, d'un coup, n'aurait plus le droit de rouler en véhicule thermique. C'est une transition. 2035, c'est dans 11 ans. Et ce sont uniquement sur les voitures neuves. Donc, je le dis quand même parce qu'il y a eu beaucoup de, de fake news distillées notamment par le Rassemblement national sur la question. En 2035, vous avez le droit de continuer Alors, quel à est votre, votre véhicule thermique. Qu'est-ce que vous proposez à ceux qui veulent acheter une voiture électrique Eh ben, il y a plusieurs choses qu'on a mis en place. Donc des, des, pardon, des, euh, des accompagnements extrêmement forts. Bonus écologique, prime à la conversion. Il y a ce fameux leasing social où on permet à des Français sous conditions de ressources là aussi d'accéder à euh, des véhicules à 100 euros par mois, moins de 100 euros par mois, et donc on veut démocratiser cette voiture électrique. D'accord. Pourquoi Pour deux raisons. Encore une fois, hein, le dérèglement climatique, la souveraineté, parce que c'est le grand mot du Rassemblement national, la souveraineté. Euh, mais aujourd'hui, ce que vous faites en ne développant pas la voiture électrique, en essayant de nous vendre le tout pétrole, et eh ben c'est vous nous laisser dans la dépendance qu'on est aujourd'hui. Deux tiers de l'énergie qu'on consomme, c'est l'énergie fossile, c'est du pétrole, c'est du gaz. Rester dans la voiture thermique, c'est rester dans cette dépendance vis-à-vis -vis des non, autres il, pays. – Il n'a pas dit rester dans la voiture thermique. Mais soyez obligés, il dit on ne s'excite pas sur la voiture électrique, on se dit c'est ce qu'il a dit. On ne peut pas lui faire dire il n'a pas dit on ne veut pas de voiture je électrique. Il faut aussi à dire un truc très important, c'est que les constructeurs, que ce soit Peugeot, que ce soit oui. Renault, les deux gros constructeurs français, euh, sont évidemment pour cette transition. Ils sont d'accord, ils ont signé sur 2000. Mais les batteries, on est d'accord, elles sont fabriquées en Chine. Hein. Ah bah, euh, Les batteries, on, justement. On finance donc les batteries ah, euh, chinoises. On a... Avec le leasing. Aussi, alors, bah, oui. si, si vous me donnez des sous pour acheter une voiture électrique et que la batterie chinoise, oui, mais je finance. Vous devez échappé que euh, on a développé des investissements massifs oui. pour faire des gigafactories en France. Et il y en a déjà une dizaine qui sont très financées et qui arrivent. Ces gigafactories, c'est voilà. la production de batteries qui vont se faire. Chris La future 5 électrique va être produite à Douai. Donc euh, mmh. là, voilà, c'est. Ça, c'est une bonne nouvelle. Dire, la, la vraie question, à mon avis aussi, qu'on pose pas souvent. Parce qu'il y a le prix, mais il y a aussi le fait de se recharger, vous l'avez évoqué. Il y a très peu de bornes. Alors, il y a des bornes à domicile, il y en a un million à peu près, mais sur le. Oh, réseau... Je n'ai pas pu, je vous le dis honnêtement, je n'ai pas J'habite dans le 17e, je vais vous dire, je ne suis pas malheureux, loin de là. Je ne peux pas, j'en ai voulu une, il n'y en a pas. S'il si, y a quatre places, et on est 7000 à vouloir quatre places, donc euh, je ne vais sur pas tourner. 120 000 attends. bornes en France. Alors, le réseau. C'est juste dingue, ça. Le réseau autoroutier, aujourd'hui, il n'y a pas de souci. mais le reste, c'est vraiment très compliqué. Et ça, c'est un frein aussi, parce qu'on se dit. Bon. Euh, c'est très compliqué. Je ne vais pas pouvoir me recharger. Ça va prendre des temps. Qu'est-ce que vous proposez par rapport à ça euh, Parce que ça, ça fait partie aussi des freins à l'achat des voitures électriques. Mais vous avez raison, et notamment dans les zones urbaines où c'est plus compliqué parce que déjà le stationnement y est plus compliqué, et donc c'est aussi ce qu'on a euh, mis en place comme obligation pour les entreprises qui ont des parkings, pour les centres commerciaux d'avoir d'être tous équipés de bornes. Euh, et c'est ce déploiement. Mais encore une fois, on est dans une logique de transition. On parle de 2035. L'idée, c'est que progressivement, la voiture électrique prenne de plus en plus de place parce qu'elle est moins polluante et parce qu'elle est moins chère aussi, in fine à, à l'utilisation. Monsieur Cazeneuve c'est très clair. Kilomètres, elle était plus efficace écologiquement. Elle est aussi au quotidien, à l'usage. C'est très clair, économique. mais. pour ceux qui vont voter ce week-end, voilà, ils veulent savoir dans les semaines, les mois qui arrivent, ce qui va se passer. Vous le savez, mais en, à l'immédiat, il ne va pas se passer tout de suite grand-chose. Et c'est bien oui. normal, il va falloir beaucoup de temps. Euh, vous êtes un peu en retard, euh, Monsieur Cazeneuve pardon, Monsieur Tanguy, vous voulez réagir là-dessus Vous voulez que je vous interroge, par exemple, sur les péages ah mais, euh, oui On peut revenir sur les péages, mais très, très rapidement, euh, le leasing, ça a l'air sympathique comme ça, mais c'est la loterie. Il y a 50 000 personnes, il y a beaucoup plus de demandes. Vous avez des Français et des Françaises qui ont droit au leasing. Il y en a qui n'ont pas le droit. Euh, premier arrivé, premier servi. Donc voilà, c'est donc complètement injuste. Donc ça va encore créer des inégalités, un sentiment d'injustice, euh, que certains ont toujours droit à quelque chose, certains ont droit à rien. Ce sont des dispositifs bon. qui font plaisir dans les médias, mais qui ne fonctionnent pas en termes d'injustice euh, sociale. On a l'impression, Chris bourre très rapidement en plus, que, que qu c'est un c'est un peu comme les élections, qu'il y a deux France hein. Il y a une France très rurale qui, c'est même à se demander si se pose la question sur l'électrique, je crois que ça ne les intéresse pas vraiment, et une France très urbaine qui, elle, effectivement, on habite à Lyon plein centre de Bordeaux, là, ça, ça, a, un, ça a un sens, on est d'accord. – Mais on a tellement poussé les Français à aller sur le diesel, que beaucoup, c'est la réaction hein, des, des trois quarts des atomistes, qui se disent, mais attendez, il y a des années, on nous a poussé sur le diesel, maintenant on nous dit, c'est sale, il ne faut plus l'utiliser. Donc si on nous fait le même coup sur l'électrique, ouais. je ne vais pas acheter l'électrique, c'est là aussi le problème. Il y a un manque de confiance, et je n'entends pas dans les discours euh, aujourd'hui, qui rassure à ce niveau-là en disant bon voilà on va faire une politique vraiment pour rassurer on est sûr que alors les constructeurs eux en sont persuadés juste un chiffre 50 milliards d'euros c'est ce que vient de poser sur la table Stellantis ex PSA pour 10 ans et le mettre dans la voiture électrique écoutez ce témoignage qui est avec nous s'il vous plaît Stan c'est Sonia qui nous a appelé au 10. elle n'est pas tout à fait convaincue par la voiture électrique et elle, elle a une autre solution qu'elle trouve moins chère. Allez-y, bonjour madame, soyez la bienvenue. Bonjour. Vous bonjour habitez où toutes. exactement, ma, euh, Sonia J'habite à Auxerre. Très bien, vous faites beaucoup de kilomètres Alors, euh, plus ou moins, oui, enfin, je, je, pas, pas forcément plus, mais euh, moi je trouve qu'actuellement on ne nous parle que de l'électrique, je suis contre l'électrique. Euh, on nous dit une autonomie par exemple de 500 kilomètres et on va en faire que 350, donc c'est complètement faux. De plus, euh, moi je roule à l'éthanol. D'accord, et vous avez fait de sacrées économies. Bon ça, l'éthanol, c'est l'avenir 83 centimes le litre aujourd'hui. Pourquoi c'est pas... Pourquoi Alors c'est quand même dingue, parce qu'hier encore, on a parlé de la voiture électrique dans les débats et tout. Pourquoi le mot éthanol, il n'est pas prononcé, puisque ça a l'air d'être la solution On en parlait tout à l'heure du biocarburant. Pardon on ai parlé tout à l'heure. biocarburant. ça pourrait être une des solutions alternatives au, au tout électrique. C'est en discussion, en tout cas... Et pourquoi il n'y a ça. pas un grand plan éthanol si c'est si les, peu cher La raison est très simple, les constructeurs ont investi des milliards, je vous l'ai dit, par exemple, Stellantis sur... Électrique, et d'un seul coup, on leur dit ah ben finalement l'éthanol. Donc, euh, ils, voilà, ils ont besoin d'un schéma clair qui n'est absolument pas clair, donc ils prennent pas le risque d'investir. C'est fou, ça, quand même. On est en train d'expliquer que l'éthanol pourrait être la solution, mais comme ah oui bon, on nous a dit l'électrique, maintenant on a mis l'éthanol de côté. C'est ça l'histoire. C'est un peu ça. Bon, voilà. oui. Allez, le péage, mais on mais y va. Euh, oui. non, mais pour être tout comment on fait pour faire de l'éthanol Excusez-moi, j'ai l'impression que c'était la solution. À tous en même temps. Allez-y, posez votre question, non, monsieur Laissez entendre déjà le rétrofit entre. Pardon, la bascule technologique entre un véhicule la et un véhicule à l'éthanol est extrêmement facile à faire, donc c'est pas un sujet de constructeur, si je peux me permettre. Et l'éthanol, il faut bien le produire. Vous le produisez comment l'éthanol, monsieur Le bioéthanol est en fait, fait en France. France. D'accord, il est ah, fait en France. Le... Mais est-ce que vous pensez qu'on a suffisamment de ressources en oui. biomasse, oui, en oui, culture, on, on pour en fournir en mais, Donc, mais, euh, mais, ab vraiment, mais absolument a... pas, monsieur Enfin, je veux dire, excusez-moi. Sur le bouclage, de la... non, mais je me, me permets de vous contredire. qu'on n'a pas du tout suffisamment de ressources sur ce qu'on appelle la biomasse. C'est-à-dire déchets forestiers, production agricole qu'on n'utilise pas pour produire suffisamment. Je suis désolé de vous euh, ok, donc vous on êtes en train les de les me les dire l'éthanol, les... ok, mais de toute façon on ne pourra pas fournir non, tout le monde. Exactement, ça donc, ne pourra pas et être un plan national. Ça, ça fonctionne dans d'autres pays, le peut... hein, euh, euh, voilà. euh, euh, Brésil, plein euh, de pays où ça fonctionne. Oui, oui, Allez, un... Rapidement, Martial, et après l'EPA mmh. Rapidement, chouette. juste, c'est une question pour le coup pour Pierre euh, Cazeneuf, parce que moi je connais effectivement personne qui veut être un pollueur donc tout le monde a envie d'avoir une voiture électrique si c'est moins polluant en roulant. Simplement, vous dites le leasing à 100 euros, c'est pour les petits revenus, effectivement. Maintenant, on avait calculé sur RTL avec Bourreau, que c'est 300 euros une fois qu'on ajoute l'assurance parce que vous avez des gens qui basculent d'une petite voiture ancienne où ils sont au tiers et ils sont obligés de prendre une assurance à 100% évidemment lorsque vous avez un véhicule neuf. Et surtout, quelle est la garantie que vous donnez à ceux qui partent sur un leasing de trois ans aujourd'hui que dans trois ans, l'État sera toujours là pour prolonger ce leasing Parce que dans trois ans, la personne qui a un leasing aujourd'hui… On, si va elle dire, on va lui dire, vous avez une valeur résiduelle du véhicule de 15 000 euros. Monsieur Cazeneuve. Qu'est-ce qu'on fait Vous la rachetez ou vous continuez Et vu l'état des finances de la France, est-ce que dans trois ans, la France finance encore un Allez. leasing électrique bah, Évidemment, en tout cas, c'est l'engagement que nous, on prend. et J'espère que, enfin, que tout le monde ne mettra pas les Français au pied du mur. On a financé un dispositif on le projette sur plusieurs années. On peut annoncer clairement, si vous avez le droit à ce leasing, sachez que jusqu'à la fin de vie de votre voiture, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. C'est ça, à la fin voilà. on... Ça, on peut l'annoncer officiellement ou ce n'est je... pas été débattu et, si c'est notre majorité en place, évidemment. Il n'y a pas de vice caché là-dedans. Le leasing. Voilà, ça c'est une info. Donc s'il y a un leasing, il sera jusqu'à la fin de vie de la voiture, tant que j'en suis propriétaire. Voilà, jusqu'aux 3 ans de la fin du contrat. J'ai posé une question, vous avez eu la réponse. Les péages. Jean-Philippe Tanguy, et après on va vite parler des trains, des TER, etc. Est-ce que dans votre programme. Alors vous allez. On va faire très court une petite pause et après je vous reprendrai. Très juste, je vous donne un chiffre et puis vous allez pouvoir répondre. Allez-y Stan, c'est là-dessus qu'on s'en clair. Nous allons parler des péages. Et pourquoi Parce que d'après un sondage IFOP paru en 2024, 65% des Français évitent les péages, tout simplement parce qu'ils les trouvent trop chers. Donc dans un instant, nous allons demander à nos candidats ce qu'ils comptent faire pour réduire la facture sur les péages, parce qu'il n'y a pas que les prix du carburant qui pèsent dans le porte-monnaie des automobilistes, il y a aussi les péages. Jean-Philippe Tanguy, dans une seconde, c'est vous qui répondez en premier, vous êtes un petit peu en retard sur le temps là-dessus, les péages, et on attaquera après TRA, TER. Transport. Les Français, c'est bien beau de leur dire ne prenez pas votre voiture, etc. Mais peuvent-ils vraiment le faire Vous continuez. Si vous avez une question à poser, c'est maintenant ou jamais. Petite pause. On se retrouve pour la suite, bien évidemment, de ce spécial élection législative. Vous êtes sur RTL et M6. Les, Les péages, le train le reviennent. revient dans un instant. Jean-Philippe Tanguy, je me dois de vous dire que vous êtes en retard de trois minutes. là Donc il va falloir, euh, ben, soit chanter une chanson, faire quelque chose, mais <laughs> il va falloir les combler. Euh, ça tombe bien, je vous donne la parole. Nous parlons maintenant des péages. Est-ce que vous pensez, par exemple, dans votre parti que C'est quelque chose qui doit être nationalisé. Qu'est-ce que vous avez euh, prévu pour les péages Puisque, on l'a entendu tout à l'heure, le chiffre est dingue 60% des, des Français ne veulent plus prendre d'autoroute à cause de ça. Mais c'est à dire que euh, la privatisation des concessions d'autoroute, euh, d'abord par monsieur Jospin, puis ensuite par euh, monsieur de Villepin, avec monsieur le maire à l'époque euh, dans son cabinet, est le plus gros scandale d'état, je pense, des euh, 20 dernières années. Il n'y a pas une institution qui se sont penchées sur ce dossier, que ce soit la direction de la concurrence, la cour des comptes, euh, les rapports internes à Bercy qu'on nous cache et puis qui finalement. Euh, vont euh, dans la presse. Il y a même eu un faux fait par Madame Borne, je l'ai fait un signalement au procureur c'était révélé par Marianne, au secrétaire général du gouvernement, pour couvrir les négociations. Entre M. Kohler secrétaire général de l'Elysée, et Madame Borne, euh, à l'époque euh, ministre, euh, pour. Euh, je ne pensais faire... pas, en vous posant cette question, <laughs> qu'on qu irait aussi loin. Mais oui, je... non, mais, mais sauf que c'est ça, les prix des péages. Ah Dites-moi ce que vous allez faire, non, si vous êtes non, au pouvoir. Aux gens, donc systématiquement, depuis 20 ans, les péages ont augmenté plus vite que l'inflation, avec des taux de dividendes de ces sociétés concessionnaires d'autoroutes qui vivent, je le rappelle, sur des travaux publics faits par les Français, financés par l'État français, et se goinfrent. Donc nous, à Bercy, quand on sera au gouvernement, on fera la lumière sur ce qui s'est passé et on récupérera le contrôle. De ces concessions. Alors, récupérer le contrôle, soyez clair. Qu parce que c'est super important ce que vous êtes en train de dire. Ça veut dire quoi, récupérer le contrôle Eh bien, les, nous reprenons le contrôle des concessions, l'État, national, C'est Vinci, par exemple, qui a des. Oui, oui, oui. Ah, je... ah, Vinci, vous lui dites quoi c est, c est... Il y a deux options. Est-ce est qu'on nationalise les concessions ou est-ce qu'on les met dans le fonds souverain qu'on veut créer euh, volontaire pour les Français Parce que si les Français, par leur épargne, contrôlent leur société d'autoroute, c'est aussi une façon de, 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 comment dire, de bénéficier d'infrastructures publiques. Donc il y a plusieurs options qui sont sur la table. On prendra les meilleures en lien avec le Parlement, euh, euh, évidemment. Mais surtout, on fera la lumière sur ce qui s'est passé. Parce que moi, euh, je ne peux plus entendre ce chiffrage où j'entends euh, le gouvernement nous dire que nationaliser les autoroutes ou reprendre le contrôle, ça coûterait 30 à 50 milliards d'euros. Elles, ah oui. elles ont été nationalisées. Attends, attends, j'ai beaucoup de retard, donc j'en profite. Elles ont été nationalisées, euh, privatisées, pardon, pour 12 milliards d'euros en début de concession. Donc moi, je veux bien qu'on explique aux gens que des concessions en fin de vie valent 3 à 5 fois plus que des concessions en début de vie, ça veut dire soit que là, il mentent, moi je pense qu'il mentent, soit dans ce cas-là, en 2004, quand ça a été privatisé, ça veut dire que vraiment, les Français ont Bien. fait une très, très mauvaise affaire. Monsieur Tanguy, je, 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 je synthétise parce que c'est important, donc euh, récupérer euh, effectivement euh, les, les concessions d'une manière ou d'une autre. Et vous, Marcel Dieu, qu'est-ce que je vais dire Je préciser par rapport à ce que dit Jean-Philippe Tanguy, parce que c'est vrai que ça a été un thème pendant très longtemps du Rassemblement national de dire on va et c'était affirmé comme tel, renationaliser les autoroutes, on sent que c'est un peu plus flottant aujourd'hui, euh, et si le prix, la valorisation de ces autoroutes a augmenté et qu'on atteint aujourd'hui à peu près 40 milliards, mais ça, Jean-Philippe Tanguy le sait, c'est tout simplement parce qu'entre-temps, on a accorder des concessions supplémentaires à ces autoroutes. C'est-à-dire qu'on a dit aux, 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 aux concessionnaires d'autoroutes « Ok, vous bien. allez pouvoir allonger telle ou telle portion et vous aurez une concession qui durera jusqu'à... » Donc c'est eux qui ont payé les autoroutes. Et évidemment, à un moment donné, si on doit tout racheter, on doit racheter aussi des contrats qui ont été rajoutés par rapport aux, aux pas du tout dans les valeurs. Excusez-moi, ce n'est pas du tout dans les valeurs dont vous parlez. Par ailleurs, il y a eu des prolongements de concessions, il y a aussi des... Augmentations de prix dues à ces travaux. Le rendement ne cesse d'augmenter de, de ces concessions. c'est pas du tout, excusez-moi, aussi simple que vous le dites. Et en tout cas, la prolongation des concessions ne justifie pas du tout une multiplication okay. par 3 Donc. à 5 de la valeur des concessions faire un... en fin de vie et pas en début. Vous vous qu'il y a 20 ans qui se sont passés entre temps. Enfin, écoutez, quand vous achetez une voiture neuve, elle vaut quand même plus que quand au bout de 20 ans. Donc il y a un moment, il faut arrêter. Okay. Ces contraintes sont en fait léonins. Ça veut dire qu'on en droit. C'est-à-dire que la défense de l'intérêt public n'a pas été respectée par le gouvernement. Les concessionnaires d'autoroutes ont sciemment dupé euh, les Français et donc ces contrats sont en fait nuls. Donc vous allez remettre sur la table ces nouveaux contrats. Pierre Cazeneuve, qu'est-ce que vous comptez faire pour ceux qui n'arrivent pas à prendre euh, l'autoroute parce que les péages sont trop chers ben, Il y a cet encadrement euh, des prix, voilà, puisque effectivement il y a eu un certain nombre de profits qui ont été euh, réalisés, on le sait, c'est aller parfois un peu plus vite que l'inflation et donc euh, la mission qu'a lancé euh, Bruno Le Maire et la taxe qu'il a qu'il a mis en place pour le budget 2024 justement visait à récupérer une partie de euh, de ces, euh, de ces, de ces... Profit réalisé par les concessionnaires d'autoroutes, mais laissez-moi juste répondre à M. Tanguy après vous allez dire on parle de financement etc. Mais bon on a fait 13 milliards. Ah non je ne parle pas de TVA. financement. Je dis à y a 60% des gens ça. qui n'arrivent pas à prendre l'autoroute. Qu'est-ce qu'on leur dit oui, C'est ça que j'ai envie de leur dire. C'est tellement facile de dire on va renationaliser parce qu'on était à 13 milliards sur la baisse de zéro à la TVA donc en début d'émission. Là on vient de rajouter 40 milliards sur la nationalisation oui, des le, autoroutes. Le même. Donc euh, déjà répondre oui, à la mienne avant de répondre à la sienne. C'est très important. Qu'est-ce que Ça ne va pas bouger donc le prix des péages aujourd'hui On continue à les encadrer pour ne pas, pas qu'ils augmentent de pour... manière délibérée. Ils voilà, n'augmenteront pas. D'accord. Alors maintenant répondez-lui rapidement sur le financement. Mais je viens de le répondre. C'est-à-dire On continue en fait, à raser gratis. Une, fin... une mesure à 13 milliards, on met une mesure à 40 milliards et on est encore bon. dans une femme de Noël. Une... Et donc la un question... Mensonge, si je vous, vous... En même temps, je vous assure c'est impossible de déverser des mensonges comme ça. Bah, ça. On les a vendus 12 milliards et maintenant ça vaudrait 4 fois de plus après 20 ans. Donc il faut arrêter franchement. Allez, c'est les deux Une question simple et très concrète à tous les deux. Les péages d'autoroute, ça vaut pour faire simple entre 5 centimes le kilomètre et 50 centimes le kilomètre. Est-ce que dans votre vision de ce sujet, il faudrait alors soit un prix unique, soit harmonisé pour que le prix des autoroutes quand j'y passe ne soit pas aussi différent suivant la route que j'utilise La route que j'utilise le plus, c'est l'autoroute Chirac. Donc c'est celle qui est gratuite sur la 10. Je parle de celles qui sont payantes. C'est une question sérieuse. De 5 à 50 la... centimes, ça fait le d'écart. Mais Je suis en Corrèze, mais euh, suis, ça répond à des dynamiques. Euh, si vous voulez, parce que c'est pas la même utilisation. Quand on parle de la 14, notamment, voilà, qui est une autoroute, on va dire un peu de confort versus des autoroutes. On appelle qui... ça l'autoroute des riches. Exactement. Euh, donc moi, ça me choque. Ça payer un peu, plus cher. Centimes, peu, peu payé plus cher. 50 centimes. Pour ceux qui ne savent pas, le 50 centimes à peu près. 50 centimes on Combien de kilomètres Très peu. Bah, c'est 50 centimes par kilomètre. Ouais, c'est 50, 50 centimes par kilomètre. Selon bon. les heures aussi. Exactement. Plus. Monsieur Tanguy là-dessus. Non, 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 pas Monsieur Tanguy là-dessus, là là, parce qu'on a 40 secondes, une toute petite pause. Il va revenir et on va attaquer parce que. Le de Milo, ça coûtait plus cher que des autoroutes où. Il y a du en pleine voilà. Alors faut que ce soit le coût réel, ça correspond au coût réel de, de travaux. Et vous nous direz un petit mot, Christophe, dans une seconde, et après, on va attaquer les trains, TER etc. Parce que là, effectivement, il y a aussi beaucoup de gens qui ont dit, bah, il faudrait éviter de prendre votre voiture, mais malheureusement, ils aimeraient bien prendre les transports en commun. Est-ce qu'il y a des grands plans qui sont prévus pour les uns ou pour les autres Vous pouvez encore très rapidement poser une question en appelant au 30 de 10 ou en vous inscrivant sur, ça peut vous arriver, m6.fr. Euh, ne bougez pas en... À quelqu'un peut-être en ligne un petit peu plus tard. Stan est en train de me dire qu'il y a beaucoup d'appels. Le problème, c'est que si je prends des appels, vous parlez moins. Si vous parlez moins, vous n'êtes pas content. Donc j'essaie de gérer tout ça. On y va. On avance, mesdames et messieurs, dans ce débat. Transport. Ça peut vous arriver. Alors. C'est pas la panacée, mais on se compare toujours aux autres. On est sur M6, est ils font comment les autres euh, sur les autoroutes Comment ils les financent, les Espagnols, les Portugais, les, les Allemands Les Espagnols, c'est simple, ils ont nationalisé les autoroutes. Donc maintenant, on ne paye plus sur les autoroutes espagnoles. Il faut une partie des autoroutes espagnoles. Donc chacun. Mais alors après, les Français disent oui, mais on a un réseau qui est quand même assez exceptionnel. Et Mieux Les sociétés espagnoles Oui, les sociétés d'autoroutes disent on a investi 30 milliards depuis la privatisation. Alors ce n'est pas tout à fait d'ailleurs une privatisation, puisque l'État est encore propriétaire. En fait, il donne le droit de gérer. Donc là, il y a une nuance. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, pour tous ceux qui nous regardent, c'est que c'est l'État est pied et point lié avec ces sociétés d'autoroutes. Ce qui fait que tous les 1er février, on revoit les tarifs. Plus ou moins lié à l'inflation. Cette année, c'est 3% d'augmentation. Il y a une taxe qui va arriver l'année prochaine. Je fais simple les sociétés d'autoroutes ont dit, ah bah vous nous mettez une taxe, nous on va augmenter les péages. Alors le gouvernement a dit, attendez, c'est une fake news, mais quand même, il y a un rapport de force qui est quand même aujourd'hui en faveur des sociétés d'autoroutes. Qu a... ça, ça ne baissera pas, quoi qu'il arrive. Et ça ne baissera pas, c'est ce qu'il faut dire aujourd'hui, ça ne baissera pas. Non beaucoup... mais c'est quand même dingue de se dire que 60% des Français ne n'ont pas le droit de prendre l'autoroute avec un risque d'accident. Il n'y a des, que des gens comme moi qui gagnent bien leur vie, qui ont le droit de la prendre. Avec quoi. un risque d'accident, Julien, hein, parce ça. que sur les réseaux secondaires, les accidents sont beaucoup plus importants que, temps, ouais. que sur le que l'autoroute. Et d'ailleurs, un chiffre qui, qui est lié à tout ça, la, la prévention routière sur ertel euh, cette semaine nous a donné un chiffre. Si on économisait, si par exemple il y avait davantage de trafic sur autoroute, par exemple, euh, on économiserait 50 milliards par an. L'insécurité routière, c'est 50 milliards d'euros par an. Ils interpellent d'ailleurs les candidats en disant. Qu'est-ce que vous faites sur la sécurité routière Donc voilà, hein, les autoroutes, c'est aussi un aspect euh, économique, mais aussi de sécurité. Quand on va sur les réseaux secondaires, c'est secondaires, beaucoup plus dangereux. C'est là qu'il y a le plus d'accidents mortels. Hein, voilà, exactement. Les routes euh, départementales. Martial, vous vouliez rajouter quelque chose bah, là-dessus Juste, euh, après, on ne va pas refaire l'histoire, mais pour bien comprendre la situation dans laquelle on est avec euh, les autoroutes, c'est que finalement, on a délégué. Une partie de l'aménagement du territoire à ses concessionnaires privés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'État n'ayant pas forcément les moyens d'investir dans le réseau routier a dit Bon, ben voilà, vous êtes concessionnaire d'autoroute, aménagez le territoire, rallongez telle portion, faites tel tronçon. Chaque maire, chaque élu local. Et maintenant, va avoir pour sortir son de ça, c'est quasi impossible. aujourd'hui, évidemment, ils ont investi, eux, sur ces, euh, ces réseaux-là et ils veulent être payés en retour. C'est ça, la situation dans laquelle Alors, on est aujourd'hui. Donc si vous coupez direct en disant On arrête tout c'est un peu plus compliqué Alors, je vais vous donner la parole aux uns et aux autres Pierre Cazem et Jean-Philippe Tanguy surtout que c'est la dernière ligne droite et justement on va parler de, de, des transports parce que est-ce que c'est pas le, au moins le b béat-bas de ce que peut attendre le français de, de son pays de pouvoir circuler sans que ça lui coûte trop cher et sans qu'il y ait de discrimination entre celui qui gagne bien sa vie et celui qui ne la gagne pas notamment avec train, TER on y va ça peut vous arriver spéciale législative avec Julien Courbet. Est-ce que l'on doit vivre dans un pays où l'on pourrait circuler gratuitement ou en tout cas à un prix raisonnable Quelques chiffres, Stan, et on attaque la dernière ligne droite. Je vous donne un chiffre d'un sondage Ifop paru en 2024, 79% des Français sont dépendants de leur voiture pour faire leurs courses ou aller à des rendez-vous médicaux. Il y a seulement 35% des Français, ça c'est d'après un sondage Interact Inter Harris Interactive de 2023 qui se disent euh, satisfaits de la desserte des transports en commun dans leur zone rurale. Donc peut-être qu'une un, thématique pour les Français aussi c'est de dire moi je veux bien me passer de ma voiture mais actuellement je ne peux bon, pas. On est bien d'accord qu'aucun parti ne dit aujourd'hui Martial ou alors je suis passé mmh. au travers je je nationalise, le péage, ça redevient la propriété de l'État et c'est moi qui fixe les prix. Non, ce, celui qui était le plus proche de ça, c'était le Rassemblement National, mais qui a pris un peu ses distances, on l'a entendu bon. tout à l'heure avec Jean-Philippe. – Alors, Pierre Cazeneuve, train TER, j'ai besoin de me déplacer, euh, on me dit ne pas, moi on prend la voiture mieux c'est, est-ce qu'il y a un grand plan qui est prévu chez vous, lequel ?– Oui, il y a deux grands plans distincts, donc, il y a notre investissement qu'on met sur le rail, sur le train, et donc ça, c'est des 100 milliards qui avaient été annoncés par euh, la première ministre de l'époque, Elisabeth Borne, pour développer massivement les petites lignes, le fret de ferroviaire et ces fameux RER métropolitains. Parce que je pense que c'est ça euh, euh, le chiffre et, et, et la thématique euh, évoquée par votre, par votre collègue, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, encore. Bah, on... En Ile-de-France, on a un réseau qui est très, très bien desservi, mais dans plein de métropoles, c'est n'est pas le cas. Et donc, il faut développer massivement la desserte et les réseaux de transport en commun dans les différentes métropoles et dans les différentes aires urbaines. Et donc ça, ça nécessite beaucoup d'argent, ça fait partie de ces 100 milliards dont je viens de vous parler, et donc on accompagne aujourd'hui sur le même modèle que la Société du Grand Paris, l'ensemble des métropoles, en lien avec les régions, hein, parce que c'est aussi une compétence qu'on a déléguée à l'échelle des régionales, développer ces RER métropolitains pour multiplier les lignes, multiplier la desserte, augmenter la fréquence aussi, parce que c'est souvent un enjeu de fréquence, et donc ça, l'investissement et le, la position du gouvernement est extrêmement claire, parce qu'encore une fois, c'est un enjeu, effectivement, de simplification au quotidien, et bien évidemment, un enjeu, on en parle très peu, mais c'est quand même extrêmement important. On ne peut pas faire comme si le dérèglement climatique n'existait pas. Et donc, prendre les transports en commun, multiplier la possibilité de prendre les transports en commun, ce n'est pas possible pour tout le monde. C'est très cher. Les, les, les mmh. tarifs TGV ont quand même euh, drôlement explosé. Hein. C'est pas, ça devient, euh, Parfois, sur certains, à certains horaires, c'est presque un luxe de prendre, de prendre le TGV. Jean-Philippe Tanguy, de votre côté, qu'est-ce qui est prévu là-dessus mais écoutez, moi j'essaie d'être de bonne foi, je pense que pour le coup, le gouvernement sortant sur le train a pris des meilleures mesures que les anciens républicains et les socialistes qui avaient pris, il faut bien le dire, 30 ans de retard sur d'autres raisons. Je le vois en Picardie, aussi en Normandie, où euh, la régularité, la fiabilité des lignes était inférieure à celle de la fin du 19e siècle. Bon, C'est encore le cas, moi qui prends le TR presque tous les jours. Donc ça va dans le bon sens. Donc moi, je ne suis pas là pour critiquer pour critiquer. Il euh, n'y a pas de baguette magique pour faire des travaux euh, sur euh, les voies qui n'ont pas été faites pendant 30 ans par, euh, une fois plus, les socialistes et, et les républicains. Euh, donc euh, voilà, moi, je ne fais pas dans la critique pour la critique. Après, sur ce qui est euh, du TGV, je, je pense que la SNCF devrait redevenir un vrai service public et arrêter la pratique commerciale. Euh, à langlo saxonne de faire des prix euh, selon le niveau de La... rénovation, ouais. il devrait y avoir un prix euh, unique euh, et fiable et les gens devraient savoir, devraient savoir à tout moment combien va leur coûter le train parce que euh, bon, on n'est pas là pour pour comment dire euh, exagérer et si parfois vous êtes obligé de prendre le train dernier moment c'est pas de votre faute ah. euh, bon donc euh, donc là il y, y a un vrai problème de tarification par rapport au service public Martialu euh, rapidement donc effectivement sur le train euh, c'est maintenant un algorithme qui calcule oui. etc on n'arrive pas trop à savoir mais est-ce qu'on qu peut encore prendre le train soyons honnêtes raisonnablement pour faire à un Paris-Bordeaux, un Paris-Marseille, un Paris-Lyon C'est beaucoup plus cher que. Et c'est un peu l'aberration du discours qu'on peut entendre au niveau environnemental, où on dit qu'il faut arrêter l'avion et privilégier le train. On l'a beaucoup entendu. C'était dans la campagne présidentielle. Or, quand on regarde les prix, aujourd'hui, lorsque vous avez une liaison TGV ou une liaison euh, par un avion qui fait le même. Euh, la, la même distance, eh bien c'est 2,6 fois plus cher de prendre le TGV que de prendre l'avion. Donc il y a aussi quand même une réflexion à se poser de se dire est-ce que réellement on fait un choix environnemental ou pas – Messieurs, 30 secondes chacun, pas une de plus, c'est la fin de l'émission, Pierre Cazeneuve, pourquoi faut-il voter pour le groupe Renaissance en matière de transport normalement ?– Parce que c'est le seul groupe qui regarde la transition climatique, la transition énergétique et la souveraineté française en face. Et donc, se cacher derrière son petit doigt en se disant qu'on aura du pétrole à vie et qu'on n'a pas besoin de changer nos, nos méthodes de transport ni nos moyens de nous déplacer, c'est mentir aux Français. Peut-être pas effectivement demain, on a un sujet de court terme et c'est pour ça qu'on les accompagne et qu'on les a accompagnés. Mais dans 5, 10, 15 ans, on doit préparer la France à cette transition, à ces nouveaux véhicules, à ces nouveaux modes de transport pour ne pas dépendre demain des véhicules chinois, des véhicules américains et de toutes les autres superpuissances pétrolières qui nous, dans lesquelles nous mènerait directement le programme Merci. national ou de la NUPES. Monsieur Jean-Philippe Tanqui, pourquoi vaut il voter Rassemblement national sur cette thématique tout simplement parce que nous, nous considérons que la mobilité, c'est un bien vital, ce n'est pas un luxe, et que donc nous voulons rendre du pouvoir d'achat en détaxant la mobilité, qui est devenue, il faut bien le dire, une poule aux œufs d'or pour le gouvernement, qui multiplie les taxes sur des produits qui sont déjà chers, lutter contre les lobbies, comme les concessions privées d'autoroutes, qui font du racket sur les automobilistes depuis bien trop longtemps. Donc l'État doit revenir un arbitre, rendre justice aux Françaises et aux Français, et organiser la transition écologique en croyant dans la science en investissant dans les technologies et pas en punissant les consommateurs. Jean-Philippe Tanguy, membre du Bureau national du Rassemblement national, Pierre Cazeneuve, ex-vice-président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Merci, messieurs, d'avoir respecté les règles. Bon, de temps merci en temps, merci, voilà, oui. on s'est un peu aller, mais vous avez calme. bien tenu ça. C'était très carré. Merci beaucoup. Je vous remercie pour ça parce que ça permet d'avoir plus de clarté. Merci Rappelons que nous journée. sommes là. Merci à vous, messieurs.